Albert Lozeau. Tous les oiseaux du ciel devaient le reconnaître, son regard profond qui perçait la fenêtre, lui dont l'âme n'était qu'un hymne à la beauté. Chez lui je vins, un jour au début de l'été, en franchissant le seuil de cette autre copée, à la porte je fus tout de suite frappé par les traits de cet ange aux gestes consolants, sa mère, une admirable femme aux cheveux blancs. Le vent de mai jetait dans sa fenêtre ouverte l'odeur des champs voisins et de la forêt verte. Et lui, le regard grave en son rêve perdu, sur une chaise longue, il était étendu. Mais quel feu, quel rayon brillait dans sa prunelle, et que cette douleur me parut solennelle. Un grand chêne étendant ses feuillages au loin, un peu de ciel grisâtre, un rosier dans un coin, un balcon, quelques toits habillés de verdure, une vigne accrochée aux maisons et qui dure. Voilà tout ce qu'était son modeste horizon. Voilà ce qui mettait le jour dans sa prison. Mais ce coin suffisait à son âme profonde. Le poète à lui seul est vaste comme un monde. Quand tout est sombre ailleurs, en lui-même il fait clair. Son exil est un ciel qui illumine l'éclair. Son cœur est un jardin de fleurs et de ramures qui, pour un rien, s'emplit de chants et de murmures. Car le poète voit ce que l'on ne voit pas. Et, dans la nuit, il a du soleil sur ses pas. Il est un voyageur de l'éternel voyage. Et son âme est pareille au léger coquillage dans lequel on entend gronder toute la mer. Pendant qu'il parlait, que, sans un mot amer, il me livrait sa noble et magique pensée, et me montrait le fond de son âme blessée, je me disais, tu peux, ô poète charmant, nous réjouir de ton rêve, de ton tourment, forçat de la beauté, de ton marteau sublime, tu peux forger le mot, la césure, la rime, faire naître, vivant des rythmes divers, les tercets rayonnants, les poèmes, les vers, où tous les cœurs blessés pourront s'écouter vivre, plongés dans la douceur amère de ton livre. Jamais tu ne sauras rien écrire de mieux que ce poème qui pleure au fond de tes yeux.